Cette semaine, du rêve au cauchemar. Tout avait pourtant bien commencé avec un petit nouveau pour briguer la présidence de la République, un certain Emmanuel Macron. En plus, le petit promettait tout et son contraire, satisfaisant ainsi pas mal d'électeurs. Puis, il finit par être élu. Ce qui devait être un monde nouveau en marche ne fut qu'un feu de paille. Boum, patatras! L'économie s'écroule, l'insécurité augmente et le pouvoir d'achat s'évapore. Que du concret, quoi, dans la vie de tous les Français. Les citoyens manifestent en permanence, d'autres prennent les Français, enfin surtout ceux qui travaillent, en otage. Et le petit nouveau demeure étrangement silencieux, comme pétrifié par tant de malaise lorsque les médias surnomment la société civile. Histoire de bien montrer qu'il y aurait d'un côté une élite, eux et les politiques, et de l'autre, la plèbe à mépriser et à traiter comme du bétail. En un mot, Emmanuel Macron était et reste incompétent. Son gouvernement est d'une rare inaptitude aux réalités, et le lien qui relie tout ce petit monde, c'est bien le mépris. Nous étions passés du rêve au cauchemar. On est mal, on est même très mal. Je tiens à remercier tous ceux qui suivent cette minute du mensonge, qui vont la partager et la partager de plus en plus, car tout cela doit se savoir. Merci et à la prochaine.